Salut, je suis Simon Mohamed Barani, enseignant français et membre de l'équipe pédagogique de la délégation de Meknès. Je suis devant vous aujourd'hui pour animer une activité qui entre dans le cadre du soutien scolaire pour les élèves de la première année BAC. Comme sujet, notre choix s'est porté sur le schéma actentiel. Et nul ne peut ignorer l'importance et l'apport de cet outil d'analyse dans la compréhension des récits et des œuvres. La première partie de notre séance sera consacrée à la définition du schéma actentiel et de ses composants. En deuxième partie, on procédera à l'application de ce schéma sur la pièce d'Antigone de Jean Anouilh, qui est l'œuvre du deuxième module au programme de la première année, BAC. Et on a choisi comme support d'application la pièce réalisée par Nicolas Briançon en jouée en 2003 au Théâtre Marigny à Paris. Notre séance sera clôturée par une petite synthèse. Donc je vous laisse pour le moment. Et je vous donne rendez-vous après pour une petite synthèse. Définition du schéma actentiel. Le schéma actentiel désigne toutes les forces, les actants, qui influent sur le comportement des personnages et agissent sur leurs relations et leurs actions dans un récit. Présentation des composants du schéma actentiel. Le schéma actentiel comporte les éléments suivants. On a le sujet. C'est le personnage principal, le héros, qui poursuit la quête d'un objet ou qui cherche à accomplir une mission. L'objet, c'est ce que cherche le sujet, son but et son objectif. Les adjuvants, ce sont les personnages ou les événements ou les objets positifs qui aident le sujet dans sa recherche. Les opposants, quant à eux, c'est tout à fait le contraire. Ce sont les personnages ou les événements ou les objets négatifs qui cherchent à empêcher le sujet d'arriver à son but. Quant au destinateur, c'est ce qui commande la quête et qui pousse le sujet à agir. Ça veut dire qui le motive. Par contre, le destinataire, c'est le ou les personnages qui tirent profit de la quête du sujet, ça veut dire les bénéficiaires. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Je ne suis pas le roi ! Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi ! Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone ! La sale bête, l'entêtée, la mauvaise ! Et puis après, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle ! Elle n'avait qu'à ne pas désobéir ! Mais qu'est-ce que tu as, ma petite colombe ? Rien. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Mourir ! Il faudra me faire mourir avec elle ! Je pourrais vivre moi sans elle ? Crois-tu que je n'accepterai votre vie ? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir sans elle ? Et votre vie, votre agitation, votre bavardage sans elle, je t'en supplie, que je t'admire encore.
Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Qui est Angers ? Qui a été assez fou pour braver ma loi ? As-tu enlevé des traces ? Rien. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire ? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis, de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, alors vous mourrez. Tu es folle. Oui, nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Il nous ferait mourir. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre rôle. Et allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé, sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère ? Je le devais. Je l'avais interdit ! Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas, Ève, éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père... Et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais ? C'était mon frère. Pour notre synthèse, on peut dire que le schéma potentiel est une structure d'interaction, parce qu'il se soucie moins des personnages pris isolément que de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Ce sont ces interactions qui vont permettre au personnage principal, ça veut dire le sujet, au personnage secondaire, les adjuvants et les opposants, d'évoluer et ainsi de s'accomplir spirituellement. Et l'accomplissement spirituel du héros, du sujet, est la vraie finalité de l'accomplissement de sa quête. Ça veut dire son objet. Enfin, pour un récit, il n'y a pas un schéma potentiel, mais des schémas potentiels. En effet, tout dépend du personnage qui est mis en valeur. Dans notre application, c'était le personnage d'Antigone qui est mis en valeur. Mais on peut dégager d'autres schémas centrés sur le personnage de Crayon, ou d'Ismène, ou Démon, et même Descartes. Voilà, c'est tout pour cette activité. Merci pour votre attention, et à très bientôt.